Bonjour à tous et à toutes, c'est l'équipe de Slot 666 pour l'épisode 26 déjà de Darksiders 2. Donc on va continuer dans cette château cité des anges, je sais pas comment ça s'appelle en fait. On va voir ça sur la carte. Hein. Ah, j'ai des nouveaux objets. La citadelle d'ivoire, ok. Ouais, cité des anges, citadelle d'ivoire. C'est énorme parce que c'est beaucoup plus grand que la flèche de cristal qui... techniquement est plus petite. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, regardez mes nouveaux objets. Alors, de leur trouver ça, franchement, c'est loin d'être un argument. J'ai plus d'expérience, j'ai pas de santé, j'ai pas de retrouver, j'ai moins de défense et j'ai plus de dégâts critiques magiques. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai plus d'expérience, mais j'ai des dégâts critiques, de la défense et de la résistance qui augmentent. Ça m'intéresse. Les gnomes, je sais pas à quoi que ça sert, mais bon. Les nains de jardin, plutôt. C'est joli, ici. C'est chiant, ces trucs, ça sert à rien. Il est où? Ah non, c'est le truc qui s'amuse à se téléporter qui est chiant, aussi. Bon, enfin, lui, il sert à quelque chose, je suppose que ça va être le boss. Ça va bien se passer, je vais tous vous tuer les uns après les autres, mais ça va bien se passer, rassurez-vous. Non mais toi, tu me gonfles à tout téléporter, puis en plus t'es de plus en... T'es de plus en plus proche, j'aime pas trop ça, moi. Hop. Hop, je crois que j'ai oublié la taille. Je m'en suis rendu compte au bout du premier saut, mais... c'est pas grave. Bah, pourquoi il a pas pris le transpatium? D'ailleurs, là, je vais plus débloquer d'objets. Hein. Par contre, il y a un truc qui me... Ah oui, en fait, non, mais ça, c'est mes pouvoirs. Mais je suis tellement à la ramasse niveau pouvoir que j'en ai aucun. Mais niveau objet, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Enfin, niveau objet ayant des pouvoirs particuliers. Ah oui, il faut que je le mette jusque là-bas. Je crois que je vais le mettre... Je peux même pas? Oui, d'accord. J'ai pas du tout ce que je pensais avoir. Je vais le mettre fort dans le doute parce que je sais pas du tout où est-ce que ça va me mener cette histoire. Oh oh, bien caché mon ami, bien caché. Oh la surprise, je m'attendais pas du tout. Alors j'ai sauté. Parce que moi, je pensais qu'il allait pas se raccrocher tout de suite, alors j'ai réappuyé sur le bouton. Et en fait, il s'était déjà raccroché. Donc il a sauté, comme un abruti. Comme un gars pas trop malin. Alors, bon, je suis dans le vide, c'est bizarre. C'est parti! Youpou! Non, ça n'a pas marché. Pourquoi donc? J'aimerais bien, en effet, savoir pourquoi ça n'a pas marché, le deuxième laser que j'ai envoyé. Donc là, j'envoie le premier et le deuxième. Hein? Et ben voilà. Et what the... Oh là là, oh là là. Ah, je casse le trône. Oh non. Peut-être que là, je vais enfin savoir ce qui me poursuivait depuis tout à l'heure. Ah. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Quoi? Psychopathe? Non, schizophante. Ok, c'est juste un monstre normal. Et ça... Ça me fait très peur. Je sais pas si c'est moi qui ai bien géré en esquivant... son attaque ou si c'est normal que ça fasse ça quand on va les exécuter. Bat, mais oh, depuis quand on se sert de ses pouvoirs de transformation en plein combat? Lâche. Oh putain, et oh, ça me défonce. C'est pas résistant, mais purée, qu'est-ce que ça fait mal.
Ouh, mon ventre vient de gargouiller. Pourtant, j'ai pas faim. Enfin, je crois pas. Ça fait déjà, j'ai déjà bientôt 4h30 d'enregistrement d'affilée, j'ai pas bu une goutte d'eau et moi je suis pas là, des soifs, je vais mourir. Non, non, je continue. Je continue de me blablater. Joli l'esquive. Alors là, je crois que c'est bon, j'ai... Attendez. Ah oui, en fait, c'est lui qui veut jouer au plus malin, mais il perd. Ok. C'était fait exprès, c'est classe. Là-dessus, je pense, c'est vraiment les trucs sur lesquels ils ont plus travaillé, c'est les trucs où ils peuvent avoir leur propre... Comment ? Leur propre identité, donc c'est vraiment le genre de choses, les exécutions qui étaient déjà vraiment réussies dans le premier, et là, je pense qu'ils pouvaient pas se permettre de ressortir celle du premier, quoi. Même si oui, c'est un truc qu'on a déjà vu dans God of War. Mais c'est vrai que si on peut même plus s'inspirer de ce qui a déjà été fait, je veux dire, à un moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire, quoi? En fait, c'était facile comme ennemi, faut juste pas se laisser acculer. Ah, il m'a fait peur, je croyais que c'en était un autre. Je vais voir, j'ai débloqué un gros marteau. Et je veux savoir à quoi sert ce gros marteau. C'est de la merde, c'est juste un marteau. Bon. Ok. Ok. On va aller par là pour le moment. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre ici. Ah, il peut pas s'accrocher parce qu'il n'y a pas de planche en bois, mon petit chou. Oh, wow, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, il faut se dédoubler. On va essayer de gagner au moins 10 cm. Enfin, une roulade. Voilà, ça c'est fait. Je suis fucking coincé. On va... Ah non, mais en même temps, si je suis coincé, je suis un peu con, moi. Mais arrête de prendre ce truc! Il est chiant! Oh non, mais alors là... Oh bah quoi, tu me diras? Non mais si... Ah, j'ai failli passer quand même. C'est quand même un manque de bol, quoi, de l'avoir placé où il fallait pas pour une fois. D'habitude, je le place tout le temps. Enfin, non, je le place jamais où il faut. Là, je me dis, bon, bah, je vais le placer directement ici. Ça a l'air d'être le plus malin possible. Et non. Ça n'était pas le cas. C'était pas trop compliqué non plus. Ok, ok, ok. Mais meurs en enfer. Je vois pas. Parce que ça sert à quoi? Ah si, ça va être pour remonter, d'accord. Non, ça n'a rien à voir.
Ça, par contre, le juge des âmes, j'ai beau trouver des parchemins, enfin, je sais ce que... je crois savoir ce que c'est. Mais attendez, peut-être que j'ai trouvé. Ah non, je peux plus sortir d'ici maintenant. Ah bah si, je peux. Oh les fumiers. Oh les fumiers quoi. Oh les non. Ah non. Sur le coup, je me demandais pourquoi j'avais cassé le truc, mais c'était pour placer la statue ici. Non, mais putain, je suis resté à pied longtemps. Oh là là. Et comment je vais là-bas? Ah, ça va être à la fin. Attendez, donc. Ah, bah je sais! Attends, excuse-moi, faut encore que je me dédouble. Comme tout à l'heure, je suis allé. Non, 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 non. On va essayer ça. Attendez là. Ok, je crois que j'ai trouvé un truc qui peut se faire. Alors. J'en mets un qui se projette là. J'en mets un qui se projette. Enfin... Non, attendez. On va enlever les deux. Alors. J'en mets un là. J'en mets un qui se projette là. Attends, l'achat... Non, mais l'achat... J'en mets un à fond là-dedans. Ça n'a pas marché. Je disais que j'en mettais un à fond là-dedans. Voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à faire ça. Et à sauter ici. Aha! Ça, ça s'appelle une grosse blague. D'habitude, il s'accroche tout le temps, et là, non, il décide de tomber. D'accord.
Ok, on va retomber en fait. Il faut que je fasse ça en étant dédoublé. Voilà. Voilà. Et là, j'ai un truc ici. Donc là, il regarde un truc. On va le faire tomber. Donc ça va être super compliqué en fait. On va se mettre à mon avis au maximum de la distance que je peux faire. Donc en fait j'avais pas besoin de m'embêter à y aller, donc je fais ça. Après là avec lui il faut que je me décoince, ça c'est bon. Et que j'active là. C'est pas vrai. Faut que j'active où, bordel? C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai réussi à en mettre un en contact avec. Et forcément. Forcément que ça n'a pas marché, puisque il faut tout refaire. Alors ce coup-ci on recommence. Donc toi t'es déjà là, c'est parfait. Alors toi je te mets là. Et toi je te remets là. Relâche-moi ça, mon gros. Je me mets bien en face et j'en mets un là. J'en mets un là. Voilà. Est-ce qu'il est bien l'endroit où je veux qu'il soit? Il est bien l'endroit où je veux qu'il soit. Bon, ça, c'est bon. Bon, bah, c'est bon parce que le dernier que j'ai mis, normalement. Attends, il faut que je fasse tourner. Dans le doute, je vais laisser que le bon, voilà. Déjà 17 minutes, mais le temps passe trop vite. Dis-moi que tu peux. Putain, hey. Franchement, quand j'ai vu le truc tourner, je me suis dit, oh putain, j'ai encore fait une connerie, fais chier. Mais non, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Bon. J'ai donc accès à ce truc. Oh, ça sent le combat. Mais les reliques comme ça, j'ai aucune idée où à qui je dois les ramener. Non, en fait, faut que je trouve encore le moyen de faire la communication entre les deux. D'accord, j'ai trouvé. Là, c'était pas trop compliqué. Bon, et ben, ça avance cette histoire. Ça avance. Il est long ce donjon, hein. Il est très long. C'est déjà le troisième épisode dedans. Je crois bien. J'ai pas oublié le coffre ici, je suis pas dingue. Je crois que je dois aller faire un petit tour au marchand pour vendre tout ça, parce que... Il y a une âme. Je crois que les 1700 de dégâts, ça lui a fait comprendre que non, tu restes où tu es. Hein ?
tu es gentil, mais tu restes où tu es. Comment je vais là? Oh, c'est pas vrai, c'est du foutage de gueule. J'espère que c'est ça que je dois faire, que je me tape pas encore des allers-retours à rien faire. Ouais. Il est là. Ah, avec le ralenti pendant le saut. Je crois que là, il n'y a rien à faire. Non. Ah ah, ça sent le passage secret. Mais il est bien gentil, Vulgrim, mais son truc là, il sert à rien. Non, en fait, ça sentait juste le chemin au cas où tu tombes. Les sagouins, quoi. Les sagouins, j'hallucine. Quand j'y vais pas, c'est des passages secrets, et quand j'y vais, c'est que ça sert au cas où on tombe. Ben, j'ai aucune raison de tomber. Bizarre. Là, il ne reste plus qu'une fontaine à faire. Et on aura fini. Enfin, pour cette partie-là du donjon. Alors après, est-ce qu'on en aura fini définitivement avec le donjon? Je crois pas. Ah non, d'accord, celle-ci, elle faisait les deux. Donc on en a fini avec cette partie-là du donjon. Ah oui, d'accord, on arrivait... En fait, on était à cet étage-là. Ça, c'est les étages de ce qui se passait au-dessus. Je vais aller voir un tour sur la carte. Espérer qu'on n'a rien oublié. Oula! J'ai fait plus de dégâts d'épines, j'ai encore mieux. J'ai mieux, plus de force. Ah, j'ai plus de santé par contre. Je trouve plus d'or. Bon, c'est pas grave. Je voulais voir la carte, moi. Non plus. Donc là, à ce niveau-là, j'ai tout vu. À ce niveau-là, j'ai tout vu. À ce niveau-là, j'ai tout vu. Et à ce niveau-là, j'ai aussi tout vu. Quoique lui... Si, bah c'était où j'étais. En fait, j'ai pas eu la carte du donjon, hein. Allez, saute. Ok. Je me disais qu'il y avait bien une raison pour que... Non, mais c'est pas vrai, c'est pas la seule raison. C'est pas juste un coffre, il est où le chemin? Non! Et tu me diras, je peux me mettre directement là. Ah merde, il faut le mettre plus fort. Bon bah d'ici, ça va être plus simple.
pourrait revenir là ou juste traverser là, on va pas s'emmerder. Ah d'accord, c'est loin d'être là. Soit là c'est une énorme salle de boss, c'est possible. Soit en fait c'est une autre partie du donjon, mais vu... Ah non, c'est une énorme salle de boss. Faut regarder la carte, hein. Ou une énorme salle des... Ah oui, le scribe. Ok, c'est comme si c'était fait. Mais mec... Forcément, je vais pas aller loin. L'autre, il se protège avec ses livres. Il attaque avec ses livres. Il fait vraiment mal. Oh, quand je le tape, je prends des dégâts. Oh, l'enfoiré. Il m'a bien explosé. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, j'étais déjà mort. J'ai pas tout compris. Si on peut se téléporter, c'est qu'il y a bien une raison. Quand même, ils sont mal fait leur checkpoint, hein. Je veux pas les vexer, mais... Là, on doit se taper des escaliers, plus un temps de chargement et une cinématique. Mais il est chiant. Bon, d'accord, j'ai compris. On oublie pour le moment... Oh là là! Mais c'est dingue les dégâts qu'il me fait quand je m'approche de lui. En fait, il faut que genre je m'approche et que juste après je fasse une roulade. Oh! Alors ça, tu vois, tu vas vite me redonner ma santé. Oh, il s'est retourné. On va utiliser une potion quand même. En fait, c'est quand il fait ça qu'il faut pas que je m'approche après, c'est bon. Voilà. Ça, je me suis servi d'une potion alors que je voulais changer d'arme. Oh, pourquoi j'ai pas eu la contre-attaque? Ouh, il me fait bien mal quand même. Et il me fait mal avec cette technique. Oui, c'est ça. C'est qui a un gros tas sur son siège depuis tout à l'heure là? C'est moi peut-être? Attention, ça fait mal. Ah, là il est invincible. Attendez, là j'ai pas trop compris. Comment je fais? Ah d'accord, c'est pour éviter cette technique en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas ce que je dois faire, alors moi j'y vais, mais...
Attendez, faut que j'utilise ça. Oh non! Attendez, j'ai trouvé comment on réussit à l'atteindre. Mais c'est beaucoup trop... À moins que j'avais pas chargé mon truc, mais je crois qu'il était chargé. Mais c'est vrai que normalement, quand c'est chargé, on va plus haut que ça. Mais moi, je pensais l'avoir chargé. Et voilà, alors on va se retaper les escaliers. Ah non, là, j'ai fait un pas entre les deux. Ah non, mais il faut faire un ou deux, plus d'un pas, en fait. Et on se retape le champ de chargement. Bon, par contre, il est bidon, hein. Par contre, on peut pas l'attaquer au corps à corps. Donc, sans cette technique... Après, si t'as des invocations, c'est bien, mais... En fait, faut l'attaquer pendant qu'il charge ses attaques, sinon. Là, j'étais pas malin, je suis allé pile pendant l'attaque. Ouh, j'y suis allé au bon moment. J'avais même pas remarqué qu'il me faisait son attaque. Et toi, abandonne tout espoir aussi. Oh, attention, j'ai plus de vie. Peut-être que je tue les anges là. Avant qu'ils m'emmerdent. Waouh. Mais pourquoi t'as pas sélectionné ce truc? Voilà. Mais purée, je veux pas ça, je veux l'étreinte mortelle. Mais... Là, franchement... C'est pas que je comprends pas, mais c'est que je comprends pas, quoi. Attendez. Putain, mais t'es chiant comme mec, toi. Petit enfoiré. Ok, c'est pas vraiment en avis ce que j'aurais dû faire. Bon, bah si, peut-être. Alors, je vois pas l'intérêt d'avoir mis le truc au centre, hein. Ouch. Très pacifique, hein, comme d'habitude. Ma clé.
C'était le chaos. Même les plus nobles d'entre nous ont perdu la raison et pris les armes. L'Argonne n'y a pas échappé. Pas plus que moi. L'Argonne. Tain, j'avais dit. C'est ce mot du bassin. Leur usage n'était pas interdit pour rien. Quoi qu'il y ait vu, ça lui a ravagé l'esprit. La corruption est partie de lui. Il avait laissé cette cité son charnier, tout en professant sa propre pureté. Et ensuite, il s'est retiré dans la flèche de... Moi, je savais qu'il fallait pas lui faire confiance. Il a emporté la clé. Ah, je le savais. Je le savais. Ah là là, c'est con, est-ce qu'on va se laisser là? Vous allez devoir attendre quelques jours pour savoir comment je vais botter les fesses de l'Arconne. Eh, il y a un coffre là. Attendez, je vais aller voir le coffre. Ouais, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à aller sur mon Twitter. Le lien est dans la description. Salut!